Salut à tous, c'est RetroLab, bienvenue sur les RTV. On se retrouve aujourd'hui pour un build sur Guild Wars 2 et un build de Revenant, un build de Renégat plus exactement, la deuxième spé d'élite du Revenant. Et l'idée c'était de se faire un build un petit peu hybride, qui va utiliser l'arc, parce que c'est vrai que c'est pas une arme qu'on voit très souvent en Revenant. Et du coup, l'hybride fonctionne plutôt pas mal, vous allez le voir, parce que les compétences de Revenant en Renégat ont à la fois de bons dégâts de base, et peuvent aussi avoir une belle capacité à mettre des altérations. Donc, voici avec quoi nous allons jouer. Alors, je vais jouer donc avec l'arc. L'arc principalement, parce que toutes ses compétences sans exception balancent des altérations. Donc le premier va mettre du saignement, le deuxième va mettre du saignement et en plus sur plusieurs coups, donc ça c'est intéressant. Le troisième, qui est un projectile physique, donc ce sera très intéressant dans la zone de feu, pendant que vous allez mettre en 4. Mais ce troisième coup-là va mettre pas mal de tourments et faire de très beaux dégâts de base aussi. Le 4, qui est une zone de brûlure, qui va faire donc dégâts de brûlure et de la lenteur, plus des dégâts de base assez insane, sans compter justement la zone de feu que vous allez pouvoir optimiser grâce à votre combo de coup de grâce physique. Et ici, la lame brûlante, vous allez mettre une grande zone devant vous, qui va renverser tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un renversement qui a un temps de rechargement assez faible, 12 secondes, c'est quand même plutôt cool. Sachant qu'avec le Renégat, vous pouvez avoir un petit peu d'euphorie ici, là vous voyez. Ce qui vous permet de recharger encore plus rapidement vos compétences. Donc pourquoi pas pouvoir l'avoir plus souvent. Et c'est quand même 2 secondes de renversement, c'est assez long. Ensuite, on va prendre le bâton, principalement pour ses capacités défensives. Un blocage ici, un heal ici qui va dissiper des altérations. Un dash qui va en plus repousser vos ennemis et qui fait de beaux dégâts. Ici, encore un petit peu de guérison. Et puis le dégât de base hein, du bâton que vous connaissez, qui en plus vous met de la guérison. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, ensuite, on va avoir comme arbre de talent, donc forcément prendre le Renégat. Qui va vous donner ici, donc ce sont toutes des esprits que vous allez poser en fait, et ces esprits vont appliquer des bonus ou alors des dégâts en zone. Donc là c'est un esprit de soin qui va être posé, qui va soigner en zone. Ici vous allez avoir un esprit que vous allez poser qui va balancer en fait des saignements sur vos attaques. Donc en gros ça vous permet d'avoir un peu plus d'altération, c'est plutôt intéressant. Ensuite, ici on va avoir un esprit qui va balancer beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. Sur un mec par terre, par exemple, c'est très fort pour empêcher de raise, qui balance de la vulné et en plus de l'infirmité et en plus des gros dégâts. Ici, vous en avez un qui va être un breakstun assez intéressant, qui va mettre de la stab quelques secondes, enfin une seconde et un quart, c'est pas beaucoup. Et surtout, qui est intéressant, c'est qu'il va mettre un petit peu de stupeur et il va aussi mettre du dégât. Donc en gros, quand il y a un mec qui est par terre, vous mettez les deux esprits sur lui là et vous verrez que ce sera quand même pas mal. Ça empêchera beaucoup les restes, ça fait quand même pas mal de dégâts. Sans compter que vous avez avec votre arc de quoi très largement zoner et aussi avec le bombardement de la citadelle là qui zone aussi pas mal et qui en plus met de la brûlure. Et l'ulti de cette posture là vous permet d'avoir un esprit qui va vous permettre de drainer de la vie sur vos ennemis. Et ça c'est en zone, donc c'est vous et vos alliés, c'est vraiment génial, ce qui fait qu'en fait à chaque fois que vous allez le poser, vos alliés et vous-même, vous allez faire plus de dégâts sur vos attaques, et en plus vous allez drainer de la vie. Si on switch, je prends le démon légendaire, intéressant quand vous jouez un peu en altération, vous avez ici donc la détresse vivifiante qui vous permet d'avoir de la guérison et de vous soigner en fonction des altérations que vous avez sur vous. Alors attention, ça vous purge pas, mais plus vous avez d'alté et plus vous allez vous soigner. Ici, vous avez de la résistance. C'est important d'en avoir parce que ça permet quand même d'avoir des secondes en fait, où vous ne prenez pas vos dégâts par altération parce que c'est un build qui ne purge pas beaucoup. Donc d'avoir des résistances ici, c'est plutôt utile. Ici, on a le coup qui va mettre de la confusion pendant quelques secondes et surtout qui va supprimer les avantages. Et ici, une belle zone que vous allez poser qui met du tourment et du givre en zone très très fort pendant 4 secondes. Et l'ulti, hein, vous le connaissez, cette ulti, succomber aux ténèbres, qui met toute une zone autour de vous, qui va infliger chaque seconde des tics de tourment. Et ça, c'est bien pour un jeu même défensif, parce que même si vous avez le bâton, par exemple, qui n'a pas beaucoup de dégâts par altération de base, voire pas du tout, avec cet arbre de talent-là, vous allez pouvoir lui mettre du tourment ici, du tourment là, de la confusion là, et grâce à l'autre arbre de talent, vous allez même pouvoir mettre un petit peu de saignement. Donc tout ça, c'est du bonus, sachant que vous avez aussi ici de la brûlure, même quand vous êtes sous posture bâton. Alors, c'est un build hybride, donc du coup, on va récupérer une amulette qui donne à la fois de la puissance et à la fois des dégâts par altération. Donc l'amulette de sage me paraît intéressante, sachant qu'elle donne de la guérison là aussi, et de la vitalité. Donc la guérison, c'est plutôt cool sur le revenant, parce que vous avez quand même beaucoup de sources de soins, vous allez voir.
Donc plutôt intéressant d'en avoir. Et ici, donc une rune de Lissa. Choix qui paraît étrange, mais finalement pas tant que ça, parce que ça augmente pas mal la durée des altérations. Enfin, ça augmente la durée des altérations, pardon, de 5%. Ça augmente aussi la durée des avantages de 10%. Ça augmente, enfin, encore une fois, 10% de durée d'altération. Ça donne de la précision, ce qui fait qu'avec ce build, regardez, sans bonus, sans rien, je suis quand même à 46% de chance de coup critique, c'est quand même pas mal. Et en plus, quand je vais utiliser une compétence ultime, je vais convertir jusqu'à 3 altérations en avantages. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Parce que bah, justement, il n'y a pas beaucoup de purges, ça permet d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir survivre quand vous avez vraiment un fléau en face ou un truc qui envoie Tchétché en altération. Voilà. Ok, donc cachet de malédiction sur les deux sets pour mettre de l'empoisonnement supplémentaire et un cachet d'énergie. Je pense que l'énergie est indispensable, par contre l'empoisonnement, vous pouvez le modifier à votre guise si vous voulez jouer autre chose. Ensuite, on va prendre l'arbre de corruption, l'arbre de rédemption et l'arbre de renégat. Donc en corruption ici, donc... On augmente nos chances de mettre des tourments, enfin on a du tourment lors de nos coups critiques à 33% de chance. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des coups critiques réguliers. Surtout qu'il y a pas mal de vos compétences ici qui font des tics, c'est-à-dire qui vont pas faire un seul coup mais plusieurs. Et donc ça optimise les chances de mettre du tourment en masse. Quand on inflige tourment toutes les 10 secondes, on inflige également empoisonnement et l'empoisonnement dure plus longtemps. Ici, on vole un avantage quand on inflige tourment à un ennemi qui est affecté par 4 charges de tourment. Donc c'est très très bien, on va pouvoir piquer les avantages des mecs. Lorsqu'on inflige givre à un ennemi, on lui inflige également tourment. D'ailleurs, celui-ci, je sais pas pourquoi je l'ai pris là, parce que du coup, il ne nous sert plus à rien. Je crois qu'on a une compétence qui sert à rien, les gars. Oui, c'est bien ça. Je me disais bien que je m'étais foiré. Hein. Ah si, là. Bon, allez, on va l'optimiser pour celui-là. Parce qu'en fait, avant, je jouais avec l'épée. Donc c'est pour ça qu'il y a un givre sur l'épée, mais là, du coup, il y a un deuxième givre. Pourquoi pas? Voyons voir les autres, parce que ça pourrait être intéressant. Vous utilisez un bannissement enchantement mineur quand vous frappez un ennemi. Ouais, ça peut être pas mal ça aussi, parce que du coup ça met des dégâts de confusion, pourquoi pas. Ouais, là du coup ça peut être intéressant aussi. A voir, ouais, là vous pouvez modifier, je pense même que celui-ci pourrait être mieux là pour le coup. C'est 25 secondes par contre de CD, c'est un peu long. À vous de voir. Ouais, on fait un build en direct les mecs. Alors ici, les altérations tourments que l'on inflige durent plus longtemps et infligent plus de dégâts. Et ici, invoquer une légende transfère les altérations qui vous affecte. Donc ça c'est vraiment très bien, parce que à chaque fois qu'on va switcher de posture, on va transférer 3 altérations, donc ça c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment cool. Alors ensuite, l'arbre rédemption est intéressant. On pourrait très bien jouer avec un autre arbre, par exemple l'arbre d'invocation qui peut fonctionner, punition. En fait, ça c'est vraiment l'arbre qui est mobile. Lui, je le joue pas souvent, donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant de jouer avec ses orbes de guérison. Donc là voilà, à la fin de notre esquive, on pose un orbe de guérison. Cet orbe de guérison permet de regagner des PV, 300, et de gagner de la vigueur, donc plus de capacité d'esquive. Les orbes de guérison que vous créez confèrent de la vigueur, voilà, donc ça c'est pour ça qu'on l'avait ici. On bénéficie de guérison lorsqu'on on bénéficie de guérison, donc 120 guérisons supplémentaires, et on obtient de la concentration en fonction d'un pourcentage de notre guérison, donc ça nous permet d'avoir une concentration plus forte et une guérison plus forte, donc du coup c'est plutôt intéressant. Lorsque l'on inflige aveuglement et immobilisation ou qu'on contrôle un ennemi, on va poser un orbe de guérison. Donc c'est intéressant ça parce que pour le coup, des contrôles, on en a quelques-uns quand même qui sont intéressants. Notamment celui-ci qui va être cool. Et il y avait aussi un autre aveuglement, si je dis pas de bêtises quelque part. Voilà, l'aveuglement ici qui est intéressant, qui vient souvent. Donc du coup, pourquoi pas, vous allez avoir des orbes de guérison qui proc. Les soins conférés aux autres alliés sont augmentés. Donc ça c'est plutôt bien parce que vous allez avoir un petit heal qui va pop en plus, de l'euphorie, c'est un bon petit passif aussi. En fait ça permet d'avoir une gestion presque passive cet arbre de talent avec les orbes qui vont proc et tout, donc c'est plutôt pas mal. Et ici, alors on crée des orbes de guérison autour de nous lorsqu'on utilise une compétence de légende. Alors c'est ça les compétences de légende. Hein. Alors, quand on utilise la compétence de centaure, on en a 3 et là on en a qu'une seule, donc j'ai pas la posture du centaure, mais... Ça fait quand même des orbes qui proc régulièrement et donc du soin régulier, c'est pas si mal, voilà. Encore une fois, cet arbre est modifiable. Moi, je l'ai surtout joué parce que c'est un truc qu'on joue rarement et que je voulais tester un petit peu, voir à quel point ça pouvait être optimal. ça ne l'est pas optimal, clairement, c'est pas le truc méchant de la mort en revenant, mais ça fonctionne, voilà, ça fonctionne. Et ici, Renégat, donc ici... quand on inflige un coup critique, qu'on attaque un ennemi par derrière, on a la ferveur de Kala qui nous inspire. Et donc là, ça nous permet d'obtenir de la férocité, des dégâts par altération et moins de dégâts par altération subis. C'est bien parce que c'est un build qui justement n'a pas beaucoup de purges, donc moins vous prendrez de dégâts, mieux ce sera.
Ici, donc la fureur augmente les dégâts par altération et les saignements que l'on inflige. Et la faveur de Kalad vous inspire lorsque vous bénéficiez de fureur. Donc plus on aura fureur et moins et plus on va justement bénéficier de cette réduction de dégâts et la férocité supplémentaire et ainsi de suite. C'est ce qui fait qu'on va justement avec cet arbre de renégat avoir à la fois des dégâts par altération forts et à la fois des dégâts de base assez forts. On bénéficie de fureur lorsque l'on inflige un coup critique à un ennemi en dessous de 50% de sa santé, donc ça c'est intéressant. Ici, les compétences à l'arc court transpercent les cibles et les effets de saignement que l'on inflige font plus de dégâts. Ici, tant que notre endurance est à son maximum, vos chances d'infliger un coup critique sont augmentées et on bénéficie de vigueur lorsqu'on l'obtient fureur. Et là, grâce à la ferveur de Kala, vous subissez moins de dégâts par altération. L'effet d'ordre d'en haut dure plus longtemps et affecte plus de cibles dans une zone plus large. Et ça, c'est plutôt cool, les gars. Ça permet d'avoir des dégâts réduits pour les altérations. Et donc ça, c'est quand même vraiment cool. Vous avez compris que ce build a un problème là-dessus. Alors, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui tournent autour de la fureur. C'est pour ça qu'on pourrait, par exemple, imaginer de jouer avec l'arbre. C'est pas celui-là, c'est lequel déjà? Punition. Je me rappelle plus. L'arbre qui donne de la fureur partout. Il y a un arbre qui donne beaucoup de fureur. Je vais tous le tester. Ah voilà, c'est celui-ci. Donc on pourrait très bien utiliser ce truc-là, là, qui augmente les dégâts quand on a de la fureur. Il y a pas mal de façons en fait, d'optimiser ce build-là. L'essentiel étant, selon moi, de garder le renégat et de garder la corruption. Mais celui-ci, vous pouvez vraiment le modifier à votre guise, en fonction de ce que vous voulez. Allez, je vous emmène dans une partie tout de suite, c'est parti. C'est parti donc pour cette partie en renégat hybride. Alors, c'est un peu un build expérimental, hein, vous l'avez bien compris pendant cette présentation de build. J'avais surtout envie de tester le renégat, puis d'essayer de jouer un peu de ce truc-là, parce que c'est vrai qu'on en voit très très peu, c'est vraiment... on voit quasiment jamais d'ailleurs. Je vous disais dans une vidéo que je trouvais que le revenant avait vraiment peu de build viable, et c'est vrai, je trouve que ça a vraiment peu de build viable par rapport aux autres classes qui ont eu beaucoup beaucoup de variétés. Je trouve que Revenant a eu que très peu de variétés de build viable, même s'il est plus récent hein, que les autres classes parce qu'il est sorti à Heart of Thorn. Je trouve que le design de la classe fait que c'est un peu comme ça. Et donc, ben, je voulais tester un petit peu ce renégat, et ce build-là m'a plutôt agréablement surpris. Je trouve que ça se joue plutôt bien. Ça fait des bons dégâts, même des fois de très bons dégâts. Ce sera pas rare que vous soyez dans le top DPS des parties. Ça a une survie qui est quand même plutôt honnête. Même si les altérations vont vous poser problème, ça c'est clair. Mais ça a pas mal d'avantages finalement. Parce que sur un point, sur un combat sur un point, ou sur des ennemis groupés, comme c'est un peu le cas là, c'est vraiment génial. Parce que vous avez un zoning de malade, vous allez envoyer du soin à vos alliés, vous allez envoyer... du drain de santé à vos alliés, vous allez taper en zone tous vos ennemis, vous allez poser beaucoup beaucoup de zones d'altération et de dégâts directs, plus des contrôles. C'est intéressant. Je trouve que là où il a beaucoup de mal par contre, c'est tout ce qui est sur les fights hors point, parce que forcément les mecs sont pas cons et ils vont pas venir aller jouer dans vos esprits quoi. Voilà, ça c'est clair. Mais par contre, dans une optique de fight normal, on va dire sur un point, même si dans Guild Wars 2, il n'y a pas de fight normaux, hein, il peut y avoir très bien des fights qui ne se déroulent pas sur des points, qui sont des fights très bien d'ailleurs. Même à haut niveau, on peut convenir que la plupart des fights ne se passent pas forcément toujours sur les points. Voilà. Mais là où je voulais en venir, c'est que forcément, dans un teamfight serré, voilà, restreint, là où les ennemis n'ont pas trop le choix que d'aller dans vos zones, ça va faire beaucoup de dégâts. Et vous allez être utile. Maintenant, voilà, est-ce que c'est aussi fort que, par exemple, le build d'altération que je vous ai présenté il y a quelques mois? Non, c'est vraiment pas aussi fort. Ça a pas la même survie complètement quand même. De pas avoir l'arbre de talent de héros, qu'on le veuille ou non, sur le revenant, c'est quand même, ça peut quand même être problématique. C'est pas injouable, hein. Voilà, c'est pas injouable c'est pas injouable de pas avoir le héros en revenant, hein. Mais quand même, vous vous enlevez de sacrées belles compétences et de sacrés beaux passifs qui sont pour moi, je trouve, assez essentiels. Là, ce qui aurait été cool, c'est d'avoir un renégat héros, quoi. C'est ça qui aurait été cool. C'est d'avoir à la fois l'arbre de talent du renégat, à la fois l'arbre de talent du héros, et d'avoir les postures, enfin, d'avoir les deux postures. Là, ça aurait été cool, je pense. On aurait vraiment pu faire un truc peut-être optimisé.
Mais c'est vrai que voilà, je trouve que c'est toujours le même problème. Et c'est vrai qu'il y en avait un parmi vous qui m'avait répondu quand j'avais parlé du revenant en disant que c'était vrai pour toutes les classes qui avaient qu'un seul build viable. Alors, peut-être, mais pas autant qu'avec le revenant. C'est vrai que la méta fait que, selon les mises à jour, il y a un ou deux builds viables, voire pas du tout de build viable par classe. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu tout ce qui est possible de jouer ou tout ce qui a été possible de jouer avec les classes, le revenant reste une des rares classes à n'avoir eu que deux ou trois builds vraiment viables en PvP, je parle structuré, hein. À part le Power Shiro qui domine et qui a été un des rares à dominer depuis le départ, on n'en a pas vu beaucoup d'autres en fait de builds. On a eu un petit peu d'altération de temps en temps et encore, est-ce que ça a vraiment été méta, je suis pas sûr. Moi je me rappelle surtout du Power Shiro qui restait méta. Mais les autres, c'est vrai qu'on les voit pas. Il y a des arbres de talent qu'on voit jamais. Alors que, par exemple, l'arbre de talent avec les tablettes, là, c'est le centaure, je crois. Putain, mais je crois même pas que je l'ai déjà vu jouer, à part quand c'est moi qui le testais, quoi. Et ça, c'est pas vrai pour les autres classes. Les autres classes, en non classé, je parle. Hein, je parle pas du classé, les gars. Là, je parle de non classé. Hein, je parle pas d'aller faire des games pour gagner. Je parle tester des trucs en non classé. Même en non classé, je crois pas avoir déjà vu cet arbre de talent-là. Parce qu'il est moins bon que les autres, alors que pour les autres classes, on voit souvent quand même en non classé des trucs qui sont un peu plus exotiques. Voilà, ça arrive, je dis pas que c'est régulier, mais ça arrive. Et là, voilà, je sais pas voilà, à quel point ça peut être viable de le jouer comme ça. Parce que c'est. Je vous dis, voilà, si je me fais un peu de chase, ça peut être compliqué, et surtout si je me fais de chase. Que je suis pas sur un point quoi. Franchement, sur un point, ça roule. Je trouve que la survie elle est géniale. J'ai fait des beaux fights avec une belle survie. Mais hors des points, c'est vraiment tendu. Parce que forcément, vous comptez sur vos zones hein, pour vous en sortir. Et le truc, c'est que je trouve par exemple avec l'autre revenant alté, c'est que celui qui se joue avec la masse et la hache là, que je vous ai présenté il y a quelques mois. Quand on est en train de survivre avec l'autre revenant alté, je trouve qu'on met une pression plus forte qu'avec celui-ci quand on est en train de survivre. Voilà. Si on est en train de survivre sur un point, c'est bon. Parce qu'avec ce renégat, sur un point, c'est excellemment fort. Je pense même que sur un point, si les mecs sont obstinés à rester sur le point, je vais exagérer peut-être, mais je trouve que ça, c'est pas forcément moins fort qu'un nécro. Voilà. Il n'y a pas la corruption, mais je parle en termes de dégâts bruts. Parce qu'avec toutes vos zones que vous posez avec vos esprits là, plus les zones de l'arc, vous mettez quand même une sacrée belle dose dans les teamfights. Maintenant, attention, c'est pas un nécro, hein, voilà. Je prévois les commentaires maintenant. Donc du coup, voilà, il peut y avoir vraiment une sacrée belle efficacité dans les teamfights. Maintenant, en dehors des teamfights, voilà, quand vous êtes un petit peu dans le mal, je trouve que vous pouvez moins mettre de pression qu'avec l'autre revenant alté. Qui a des dégâts vraiment assez intenses, même en mode défensif. Donc voilà, finalement, voilà, je sais pas trop quoi en penser. C'est cool à jouer. J'ai fait à la fois des parties géniales, j'ai passé très bons moments sur les parties qui se sont bien passées parce que justement, on arrivait à se battre en teamfight et tout. Par contre, dès l'instant où je suis tombé avec une team moyenne qui était pas là pour me carry, quoi, en gros, hein. Ou que je suis tombé sur des mecs en face qui jouaient pas trop sur les points, là ça a été vite très très compliqué. Voilà, ça souffle un peu le chaud et le froid. Vous me direz si vous le testez, mais vous verrez que c'est sympa à jouer. Là, vous voyez, j'étais top dégâts. Bon, comme quoi. Allez les gars, jouez bien et à la prochaine. Ciao!